J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir. Je sais pas où vous êtes. C'est votre frère Defo Star. Je suis là pour qu'on cause un peu. Aujourd'hui, je vais vous faire sortir un peu. Je pars à la banque. Je vais très bien. Eric Bécouin, je vais bien. Et toi? Mon frère Lamté, opérationnel toujours. Je suis en Jaé, mon frère. Lamté, comment tu vas? Tu vas bien, mon frère? En cause de suite, ok? Yeah, man.
I'm gonna come from you. I don't know. I'm not doing it. 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 Mes gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vais pas vous lire parce que je conduis. Je voulais juste faire une petite vidéo. J'espère qu'elle va pas durer 30 minutes. Pour juste parler de certaines choses que je voulais pas en parler, mais bon, je me suis dit que si je parle pas, certaines personnes penseront que ce qu'elles ont dit était forcément ce qui est ça. Je vais commencer par slide et slide. Il y a Slide Slide qui a fait son apparition la semaine dernière. Et puis, il y a une sœur qui a fait sa vidéo que j'ai aimé, j'ai apprécié cette sœur. Elle s'appelle Chanel T, officielle, je crois. Chanel T. Chanel T a fait sa vidéo que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire par rapport à la vidéo parce que c'est clair que quand on est sur la toile, on a besoin de se départager. On a besoin de savoir au fait pourquoi on est sur la toile. Et moi, j'ai donné mes raisons pour lesquelles je suis sur la toile. Et je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce que la sœur a dit sur Slide de Slide, qui était en gros, ne pas peut-être faire des vidéos de peut-être sensibilisation, des vidéos de conseils à ses sœurs, ou voilà, ne pas peut-être faire des vidéos mondaines, je crois, un truc comme ça. C'est ce que j'ai bien compris parce que voilà, sa tante qui est au Canada aussi, sa tante qui est au Canada, elle a backup by agreeing to what she was saying. Ok, elle a agreed to ce qu'elle disait. Je suis pas tout à fait d'accord parce que voilà, on vient sur la toile là. Moi, je suis sur la toile parce que voilà, j'ai répété pour ceux peut-être qui ne savent pas, je suis sur la toile parce que quand je commencerai l'activité que je veux commencer, j'aurais aimé être un peu connu. Voilà, mon souhait, c'est que j'ai une visibilité qui me donnera ce que je veux dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 5 ans, dans 6 ans, je ne sais pas, peu importe, c'est que le temps que ça prendra, ok? Donc, si Slide et Slide vient sur la toile, et puis elle fait ses discours avec ses followers, c'est un entretien qu'elle fait avec ses followers. C'est une manière de quoi? Comment je peux dire ça? C'est ses followers. Personne, elle n'oblige personne à aller sur sa page pour écouter de quoi elle parle là-bas. Si ce n'est pas la musique, elle ne dit à personne de partir sur sa page. Si tu veux l'écouter quand elle fait ses trucs de musique, il n'y a pas de problème. Mais quand elle fait ses autres trucs, elle ne dit pas à d'autres personnes de venir pour écouter. Elle entretient une relation avec ses followers. Donc, quand tu entretiens une relation avec tes followers, ça n'engage que toi. Si tu veux entretenir des relations qui n'ont rien à voir avec la musique, c'est toi. Parce que tes followers deviennent comme ta famille. Ils deviennent comme ta famille. Donc, ça ne te dérange pas d'échanger avec eux. Peut-être qu'en échangeant tout le temps, peut-être que ce n'est pas bon. Peut-être. Mais il n'y a personne qui va nous dire que ce n'est pas bon. Il n'y a personne qui va nous dire que ce n'est pas vraiment bon. Parce que voilà, moi, je pense que le comportement de quelqu'un
détermine un peu l'amour que les gens ont pour cette personne-là. Si je veux donner peut-être l'exemple de Makoso. Parce que je ne suis pas ici pour parler de Makoso par rapport à ce dont je parle maintenant. Mais je vais donner l'exemple de Makoso parce que c'est hier que j'ai appris que Makoso, quand il a eu à faire les trucs de sa femme, il a presque un million de followers et c'est que 1000 personnes qui étaient connectées sur les funérailles. C'est ce que j'ai appris par rapport au frère Don Giovanni. Okay? Donc si je vais prendre cet exemple-là, voilà, je vais dire que voilà, cet exemple-là nous montre que ce n'est pas forcément des gens qui sont sur ta page qui sont des gens qui t'aiment, mais je pense que le comportement d'une personne peut déterminer l'amour que les gens ont pour cette personne-là. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse pour parler de ce côté-là. Donc moi je suis pour le fait que Slide et Slide vient sur la toile. Je suis pour le fait qu'elle vient sur la toile pour entretenir avec ses followers. Je ne pense pas qu'elle doit venir juste pour parler musique. Elle peut parler musique. Les gens qui sont busy, quand tu es busy là, quand tu es busy, artiste busy, vous pensez que si elle était busy là, vous pensez qu'elle allait venir pour parler des trucs matrimoniales avec ses personnes? Non, elle n'allait pas le faire. C'est parce qu'elle n'est pas busy. Parce qu'un artiste qui est busy, qui est dans les studios, qui a les dates, qui a les trucs et autres, voilà, la personne ne va même pas avoir le temps pour venir s'asseoir sur la toile. Ça, on le sait. Donc, si elle n'est pas busy, qu'elle vient sur la toile pour s'asseoir, moi, je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'elle ne doit pas venir s'asseoir sur la toile, elle doit faire la part des choses. Non, je suis désolé. Je suis désolé, ça, c'est à Chanette. Moi, j'ai dit ça, Chanette et Satan. Je suis désolé. Elle est humaine. Donc, elle peut venir sur la toile. La manière que vous aimez, venez vous asseoir sur la toile et puis vous faites vos lives là. C'est comme ça tout le monde peut aimer aussi ça. Hein? C'est comme ça nous autres, même, on aime aussi ça maintenant. Même, parce que moi, là, je ne faisais pas ce qu'il fait là. Je ne faisais pas ça avant. Donc, je le fais maintenant parce qu'on aime. La manière dont vous aimez là, on adore ça même. Et c'est de cette même manière que je suppose que Makoso aussi adore ça. Et puis il fait son business aussi dessus. Et puis il est dessus. Il avait perdu sa femme et malheureusement il était là et puis il faisait les choses dessus. Parce que Don Giovanni a eu à dire que quelqu'un qui a perdu sa femme ne doit pas venir sur la toile, rentrer et sortir. Chacun gère son grief. Et you grieve how you want it. Chacun gère son grieving. Son grieving c'est quoi? Son deuil, voilà. Chacun gère son deuil comme il se doit. Ce n'est pas celui qui pleure, qui se tape la tête, qui se cogne à terre, qui est la personne qui manque à celle qui est partie. You know? Il y a des gens qui perdent leurs parents, là, ils ne pleurent pas. Mais tu ne sais pas comment ça les tue à l'intérieur. Donc je suis désolé. Parce que le frère vient sur la toile, sa femme est décédée. C'est clair que peut-être il a peut-être trop fait. Mais chacun est différent. C'est son comportement de trop faire. Qui ne sait pas que le monsieur il fait trop? Donc ce n'est pas quand sa femme a décédé que peut-être il devait faire la part des choses qu'il n'a pas fait là. Quand on va dire que oui, c'est par rapport à ça, hein? C'est par rapport à ça que peut-être c'est lui qui a tué sa femme. Ça, c'est à Don Giovanni, moi je réponds parce qu'il s'est contredit tellement dans sa vidéo qu'il a fait hier en disant que voilà, maintenant il est peut-être du fait qu'il croit que ce que les gens disaient. Si vous n'avez pas de preuves, toi-même tu dis à chaque fois, quand les gens n'ont pas de preuves, il ne faut pas y en parler. Mais tu te contredis à chaque fois. Tu te contredis en disant que voilà, tu es sur la toile parce que voilà, tu veux que les gens arrêtent la bêtise, tu veux que les gens ne fassent pas des choses qui ne sont pas catholiques et tout ça. Mais le frère, toi, tu as oublié que c'est toi qui as encouragé les jeunes à sortir pour aller tuer les Burkinabés. Vous oubliez vite sur la toile. Nous, on vous regarde. Moi, je te suivais. Moi, j'ai dit que je te suivais ici. Mais je te supplie parce que voilà, j'ai le link. I lost that link. That link between us, I lost it. And it's not going to come back. It's not going to come back because when you appreciate somebody and that person act in a funny way, I lost it anyway. That's me. I lost it. J'ai perdu le lien là. Ce lien là que je... Le lien là que j'avais, à te follow, j'ai perdu ça parce que voilà, j'ai pas compris le fait que tu vas encourager des Burkinabés à sortir, ou des gens à sortir pour aller tuer des Burkinabés, ou des gens à sortir pour aller tuer des trucs. Donc, tu te contredis dans la chose. J'ai voulu faire cette vidéo pour toi parce que tu te contredis dans la chose et c'est pas bien. C'est pas bien que tu viennes pour dire des choses sur l'autre. Apparemment, il y a quelqu'un avec qui tu causes souvent. Et. Je trouve que c'est pas honnête. Je trouve que c'est pas honnête de ta part. Je le dis. J'ai pas ton nom, sinon j'allais te taguer. Je suppose que tu le verras un jour. Donc c'était pour ça. Et pour Slide et Slide, moi je veux pas que les gens lui jettent le discrédit, c'est comme ça on le dit. Parce que voilà, chacun peut sortir pour faire ce qu'il veut. Il veut faire sur la toile. You know? Si elle est busy, si elle a des dates. Si elle a la date, elle va pas être sur la toile. C'est parce qu'elle n'a pas de date qu'elle est sur la toile. Et elle a le droit de le faire comme tout le monde. Donc c'était de ça que je voulais en parler. Je n'ai pas au fait aussi
la dernière des choses, j'arrive pas à vous lire, je suis désolé, je vais vous répondre plus tard. Mais j'espère que vous allez bien. C'était moi un petit truc que je voulais dire par rapport à Slide et Slide. Et puis, voilà ce que je voulais dire par rapport à Don Giovanni et par rapport à Makoso. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent. Il est venu pour pleurer. Il est venu pour pleurer. Si vous pensez que c'est pas un truc qu'il devait faire, c'est déjà fait. Ok? C'est déjà fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est déjà fait. Si vous n'avez rien à dire, là, je pense que c'est mieux de ne rien dire. Parce que pleurer, là, tout le monde fait. Tout le monde pleure sur la toile. Ça peut arriver et puis tu pleures. Si c'est du business, il est en train de faire. Oh, c'est son business et puis quoi? Il est en train de faire ça pour son business. Et puis toi, ça te dérange dans quoi? Dans Giovanni, là. Il est en train de faire son business, il vient pleurer. C'est le business de sa femme, c'est sa femme, la femme, la mère de ses enfants, comme tu le dis. S'il vient pour faire business sur le corps de la femme des amis, vous, là, ça vous dérange dans quel sens? C'est ça, moi, je veux savoir, là. Ça vous dérange dans quel sens? Chacun fait son cinéma sur la toile. L'histoire du cinéma, là, ne t'arrange pas, tu passes de côté. Mais le cinéma ne t'arrange pas, mais tu parles de ça. Non, toi, tu gagnes quoi dedans? En parlant de ça, là, tu gagnes quoi dedans? Hum? Maintenant, il y a une liste du nom qui dit apparemment que les gens ont insulté son teint. Non, on est venu ici pour essayer de faire des trucs. Mais apparemment, c'était un montage. Apparemment, c'était un montage. On peut faire ce genre de choses. Si c'est vraiment ce que les gens pensent qu'il y a un montage, je pense que c'est dérisoire. Je pense que c'est dérisoire parce que si quelqu'un fait son buzz, quelqu'un fait son buzz avec ses seins, la personne est à sa photo qui fait le buzz. Moi, je ne sais pas pourquoi quelqu'un est venu pour éteindre le buzz d'une autre personne. Mais bon, ça c'est vous les Ivoiriens qui vous faites ça beaucoup. Mais si c'est ça, quoi, c'est malsain. Et puis bon, voilà, je pense que ça ne sert à rien d'envier le buzz d'une personne. You know? Tu pourrais faire ton buzz après. Hein? Donc, j'espère que les gens ont parti à son one man ou mal woman show ou quoi. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Parce que je n'ai pas trop grand chose à dire ces derniers jours. Hein? Je suis en train de faire mes vidéos pour les mettre sur YouTube. Et comme je le dis à chaque fois, vous qui avez YouTube, suivez-moi sur YouTube, mon nom c'est Defo Star là-bas, Defo Star officiel. Donc le plus d'abonnés que j'aurai, le plus de vidéos que je ferai. Et j'ai des vidéos que je fais et voilà, je les mettrai là-bas. Et je me concentre plus sur ça et d'autres choses. Donc, c'était juste un petit bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Je ne peux pas vous le lire parce que voilà, ça sera illégal de le faire. Hawkins, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Bon, c'est juste ma petite vidéo. Je vais vous laisser et puis on cause plus tard, ok? C'est Defo Star.